Good morgen, allez, Idan, les sutras aujourd'hui, le Nishmat, Marlouf, Micha, Ben Masouda, Rivka, Bat, Levi, Itzrak, Avram, Chayel, Orbeur, Ben Fortuna, Mazal, Dovin, Yudit, et Nissan, Ben Mafet, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contre la seconde unité éternelle, nous étudions Masechet Midot, Perek, Gimel, Mishnah, Zayin, Pitro, Shel, Hechal, Pitro, Shel, Ulam, Govho, Arbaim, Ama, Verochbo, Esrim, Ama, Vechamesh, Malteraot, Shel, Milat, Hayu, Al-Gabav, Atartona, Odefet, Alapetach, Ama, Mise, Ve, Ama, Mise, שלמעלה ממנה עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה, נמצאת העליונה 30 אמה ונדבך של אבנים, היה בין כל אחת ואחת. משנה très simple, depuis le début du perek, on a commencé à s'intéresser au plan du Beth Amikdash, concrètement, chaque chose où elle se trouve. On a évolué depuis l'entrée jusqu'à maintenant, on a eu quelques missions qui se sont occupées du Mizbeach, des Tabaot et des Nanasim. Parce qu'on égorgeait les animaux, et on les dépeçait, et on les sectionnait. Puis après, dans la Mishnah précédente, on s'intéressait maintenant entre le Mizbeach et le Oulam. Le Oulam, c'est le hall d'entrée pour le Hechal. Et puis maintenant, on va commencer à s'intéresser à l'entrée du Oulam, proprement dite. Alors l'entrée du Oulam, proprement dite, justement, vous l'avez dans la Khoveret, de partout. En première page, déjà, vous l'avez, je le présente. Ouais, c'est l'entrée du... L'entrée du Echal qu'on voit, on la retrouve encore de partout, vous avez qu'à feuilleter. On en a des plus belles, des moins belles, des vues très intéressantes. Voilà, une par exemple ici, on l'a ici en vue de haut. On s'intéresse maintenant à bien définir qu'est-ce qu'il y avait dans la porte, on va dire, du Echal. D'accord? Donc on commence, la Mishnah me dit comme ça. Pitro shel Echal, shel Ulam. La porte du Oulam, la porte donc de ce hall d'entrée, elle avait Govho Arbaim Ama. Je préfère rester sur celui de la première page de la couverture. Et parce qu'en fait on voit mieux ici les Malteraot qu'on va prendre dans notre Mishnah en fait. Elles sont plus grandes, plus grosses. Donc la Mishnah m'enseigne comme ça. La porte du Oulam, elle avait Govho Arbaim Ama, elle avait une taille haute de 40 Ama. Verorbo Esrim Ama, une largeur de Esrim Ama, de 20 Ama. 40 Ama, donc ça fait 20 mètres de haut sur 10 mètres de large. 20 Ama de large, ça veut dire 10 mètres de large, plus ou moins. Soit une Ama, 48 cm, soit 60 cm, après Mnae ou le Chazonish. Et maintenant, on avait déjà appris que c'était une porte très particulière, parce que toutes les portes du Beth Amikdash, elles avaient exactement la moitié. Elles avaient 20 de haut et 10 de large, sauf celle-ci. On avait même appris que celle-ci n'avait pas du tout de porte. Elle avait éventuellement un rideau, comme c'était à la fin de Tamid, mais elle n'avait pas de porte, pas de portail, elle était toujours ouverte. Et voilà. Donc, et la Mishnah m'enseigne maintenant. Vechamesh Malteraot Shel Milat Hayu Al Gabav. Et il y avait dessus 5 Malteraot, c'est des poutres, on va dire. 5 poutres. Poutres gravées en bois. Shelmelat, c'est une espèce de bois, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais. Shel etz agedelim. Bo aftim, je ne sais pas c'est quoi de la patim. On fait de la teinture avec la patim, mais je ne sais pas c'est quoi comme espèce. En tout cas, il y avait 5 poutres qui étaient. Donc 5 poutres qui étaient au-dessus. Atartona au défait à la pétach amamise va amamise. Là, l'inférieur des 5 poutres, elle dépassait la largeur de la porte, une ama à droite, une ama à gauche, c'est-à-dire qu'on avait en fait, le principe, regardez, je vous rapporte encore une fois de nouveau le dessin, regardez bien comment ça se passe, ouais, vous le voyez bien, il y a au-dessus de la porte une décoration, c'est une décoration en fait, une décoration, où on avait, on apprendra à préciser ensuite, est-ce qu'on les avait incrustés dans le binyan ou pas, ouais, mais on avait une poutre qui dépassait, donc on a la porte qui s'arrête là, on a une poutre qui dépasse, une poutre du dessus qui dépasse encore plus, et une poutre au-dessus qui dépasse encore plus, on en a 5, chaque fois on va d'une amas à droite, une amas à gauche en plus. Donc on commence avec 1, la première poutre, avec 20, c'est la porte du Echal. Donc la poutre inférieure elle fait déjà 22 amas, la poutre du dessus elle fait 24, puisqu'à chaque fois on rajoute une amas, en forme de V comme ça, jusqu'à qu'on arrive à la cinquième poutre, donc on a rajouté 5 d'un côté, 5 de l'autre, ça nous fait 10 de plus, donc elle va faire 30 amas. C'est ce que la Mishnah enseigne. Les Chamesh Malterot Ayu, Shel Melat Ayu, Al Gabav, il y avait au-dessus 5 poutres en naissant avec cette espèce de Melat qui était au-dessus, Atartona au défait à la pétach amamisé va amamisé, l'inférieur
dépasser la porte de une ama de ci et de là, de droite et de gauche. Mais les malas, chez les malas, mimena au défaite, aléa, amamise, amamise, celle qui est au-dessus, de nouveau, une ama de ci et une ama de là, donc ça veut dire qu'on est arrivé à 24 amas, et ainsi de suite, la Mishnah ne fait pas le détail, elle nous dit, nimtseta eliona shloshim ama, il s'avère que donc la poutre supérieure avait une largeur de 30 amas, benitbach shelavanim aya ben kol achat veachat. Et attention, il y avait une rangée de pierres entre chacune de ces poutres. D'accord? C'est pas exactement comme ce dessin apparemment, mais on expliquera, je pense que oui, c'est malgré tout ça entre bien. D'abord, j'apporte une précision, deux petites précisions importantes. D'abord, ces poutres-là, comme je vous ai dit, c'était une décoration. Elles étaient sculptées, elles étaient gravées, comme ce qu'on a l'usage de faire. Des fois, on fait ça pour le Echal, ou des beaux ornements, c'était pas juste une poutre en bois, elle était bien gravée. Maintenant, ça nous confronte à un problème halakhique délicat. Souvenez-vous de ce problème, parce qu'il va refaire surface dans la prochaine Mishnah, et chaque fois qu'on va rencontrer qu'il y avait du bois dans l'Azari, il va falloir poser la même question. Lotita lecha ashera kol etz, etzel misbar hachem elokecha. Tu ne planteras pas une ashera, c'est un arbre, qui s'appelle une ashera, un arbre que c'était l'usage dans les temples de Avodah Zara. Dans les temples de Avodah Zara de l'époque, on signe de source de vie ou de mort de la Avodah Zara. Eh bien, on avait toujours l'usage d'avoir un puits et d'avoir un arbre planté. D'accord? Il y avait toujours dans les temples de tous les trucs, toutes les cultures païennes, il y avait des arbres. La Torah nous a dit, au Beth Amikdash, vous n'allez pas planter d'arbres. Je veux pas d'arbres. Du coup, on plantait aucun bois qui était planté par terre. Ni une achéra, ni n'importe quel autre bois. Il n'y avait aucun bois qui était planté. De ce fait, c'était l'histoire avec les nanasim, on les a déjà vus en haut. C'est notre cime là aussi. Il fallait qu'il y ait du bois pour qu'on puisse accrocher l'animal sur un clou planté dans une poutre en bois. Et bien, la poutre en bois n'était pas fixée au sol. Il y avait un poteau en pierre fixé et une poutre qui venait se poser dessus, qui était bien fixée, mais qui n'était pas plantée. Même principe, maintenant, on a le même problème qui refait surface maintenant avec ces poutres qu'on avait au-dessus du Echal, de la porte du Oulam. C'est du bois, c'est sympathique, mais si tu construis en bois du bois visible, c'est une catastrophe. C'est assourd. Alors, réponse, on a deux réponses qui sont proposées sur ça. Première réponse, c'est le Tosfot Yom Tov d'abord, par ordre de chronologie. Tosfot Yom Tov, il nous rapporte en fait que, apparemment, ça vient du Kesef Mishneh, qui propose que non, elles n'étaient pas fixées dans le mur vraiment, elles étaient juste suspendues, bloquées, mais en tout cas pas fixées dans le binyan lui-même. Première solution. Deuxième solution rapportée par le Gaon de Vilna, je l'ai déjà vu aussi, je ne sais plus où, mais en tout cas, comme ça il rapporte le Gaon, non, l'interdit de planter, c'est que quand c'est. Seder Gdilato, comme on a dit, Derech Netia, dans le sens comme il pousse. Il y a un sens dans le bois, il sort de la terre et on remarque, on constate, le bois il a toujours les traits, il nous montre c'est quoi la longueur, c'est quoi la largeur. Eh bien, l'interdit de planter, c'est uniquement quand tu le mets dans le sens dans lequel il est planté. Mais si tu le plantes, tu le mets de manière couchée, eh bien, il n'y a plus d'interdit, selon le Gaon de Vilna. C'est une deuxième solution. Donc, voilà, ça c'était les deux points importants à préciser. Et maintenant, je reviens maintenant pour préciser un petit peu plus, c'était quoi l'histoire que la Mishnah nous précise. Mais il y avait aussi une rangée de pierres qui est entre les deux. La raison elle est très simple, c'était juste une manière de nous dire, tu sais, c'est pas que tu vas les mettre un sur l'autre, tu vas les tasser, non. Tu les espaces de manière à ce qu'il reste une rangée de pierres entre les deux. Ça fait esthétiquement beaucoup plus joli. Et comme d'ailleurs, ce très beau dessin, j'imagine que c'était encore plus beau que ça, mais c'était déjà pas mal ce dessin qu'ils nous ont fait, où on voit clairement comment il y avait des poutres, ils les ont fait dorer, je ne sais pas exactement, est-ce qu'elles étaient recouvertes d'or ou pas, je ne sais pas du tout. Et on voit donc qu'il y a un espace entre les différentes poutres au-dessus de la porte. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.